à toi aussi, à Serge. Pour savoir s'il voulait choisir liberté, 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 Frexit, 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 Frexit. Toi qui fais partie du grand milieu, séducteur passé, en l'air de ça, je sens le goût et l'air agité, mon cœur blessé, amour comme sous les coups de boulot, de flashbacks enchaînés, et si un jour. Comment pourrions-nous rester encore dans cet autant ? Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Liberté ! Sans oubli de l'OTAN ! Et nous pouvons également dire de se calmer, d'arrêter d'aller semer la guerre aux quatre coins du monde. Ils commencent à prendre soin de leur peuple, de leurs infrastructures complètement laissées à la... qu'il faut reprendre notre indépendance pour... Et le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Des Français libres pour leur liberté, pour sortir de l'OTAN et pour reprendre leur indépendance vis-à-vis de l'Union Européenne. Sortons vite de l'OTAN! 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 Macron, ta guerre, on n'en veut pas! Macron, ta guerre, on n'en veut pas! Tous ensemble, hey! Hey! Paris commence à gronder et le lendemain, c'est la guerre. Aujourd'hui, nous allons toute la journée parler de notre libération, c'est-à-dire le Frexit et la sortie de l'OTAN. Mais cette libération, avant d'être réelle, et elle le sera, elle doit déjà être symbolique. Et quel meilleur symbole que nous débarrasser de ces symboles de soumission oligarchiques, supranationaux, ces symboles qui veulent enterrer nos libertés, les anéantir, et qui les foulent aux pieds ainsi que notre souveraineté depuis tant d'années. Alors je le fais avec vous et devant vous. Ouais. Bravo. Sortons vite de l'OTAN! 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 Poubelle! Bravo! Il en reste un, quand même, il en reste un, allons-y! Frexit! 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 Et nous avons notre seul et vrai drapeau, le voici ! Liberté 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 ! J'ai compris.
Sans conduite de l'OTAN. Sans conduite de l'OTAN. Biden, ta guerre, on n'en veut pas. 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 Ta corruption, on n'en veut pas. Ta corruption, on n'en veut pas. Et de tes bombes, garde-les pour toi. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Moi, j'avais le soleil. Et... Biden, ta guerre, on la fera pas. Musique. Biden, ta guerre, on la fera pas. Macron, prends ta tête. Macron. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre-nous de la tyrannie, les bras semblant élevés, les bras semblant élevés. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Je crois que le symbole, il parle pour lui-même, il est extrêmement clair. Devant la foule, on a voulu symboliser le Brexit et symboliser la sortie de l'OTAN en arrachant, vous savez, les symboles, c'est important. Ce drapeau qu'on nous colle partout, d'ailleurs, je parle de celui de l'Union Européenne, on le met partout, alors qu'il est illégitime, les Français ont voté contre en 2005, hein, il était dans la Constitution européenne. Ce torchon bleu à étoiles, on nous le colle partout alors qu'il n'est pas légitime, et j'ai dit, on le déchire, on se libère de ce joug, comme on se libérera demain concrètement en sortant de l'Union Européenne et en sortant de l'OTAN, on retrouvera notre liberté, on pourra retrouver la maîtrise de notre destin et notre pays. C'est ça que ça symbolise. C'est pour l'instant symbolique, ce sera demain politique, ce sera demain réel. Je crois que les derniers mois, les gens ont vu que tous les sujets concordaient vers la sortie de l'Union Européenne et de l'OTAN. Alors, je veux dire, il suffit de voir Lampedusa à la rentrée. L'explosion du prix de l'énergie, tous les débats sur le marché européen d'électricité. On a toutes les questions liées au SMS d'Ursula, la corruption, les soupçons, tout ça. On a tous ces sujets, par ailleurs, sur le Qatar, au Parlement européen, les eurodéputés en tôle, tout ça. Tout concourt, et puis la guerre d'Ukraine, les risques d'explosion du conflit, tout concourt pour que la France reprenne sa liberté, parce qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, on ne l'a plus. Et en n'ayant plus notre liberté, on paye tout trop cher, l'électricité trop cher, on est entraîné vers la guerre, on subit un flux migratoire qu'on ne contrôle plus, tout concourt vers la reprise en main de notre destin, on reprend le contrôle. Je crois qu'il y a beaucoup de Français ces derniers mois qui ont découvert beaucoup de choses, et tant mieux. Et nous, on est là pour le clamer dans la rue, pour essayer de secouer les autorités, les oppositions, enfin si elles existent, entre guillemets, pour qu'elles bougent un peu et pour qu'on se libère. Voilà, ce Frexit aujourd'hui, il est symbolique, on déchire des drapeaux. Demain, il sera réel, j'en suis absolument convaincu. Voilà, je pense du couple franco-allemand qu'il n'existe pas, que le seul couple franco-allemand qui existe, c'est le couple maître-esclave, et malheureusement, on est l'esclave. Voilà, c'est tout. On a bien compris que l'Allemagne voulait détruire EDF, ça a été dit d'ailleurs par les anciens PDG d'EDF en audition parlementaire. On a bien compris que nous étions soumis sur tous les plans à la politique allemande. Je n'en veux même pas aux Allemands, ils défendent leur intérêt national. J'en veux à nos dirigeants qui nous trahissent en nous soumettant. Voilà ce que je dis. Il faut sortir de ce mythe du couple franco-allemand dont on ne parle d'ailleurs jamais en Allemagne, on n'en parle qu'en France. Ça n'existe pas. Il faut que la France soit un pays souverain qui travaille en bonne intelligence avec tous les autres pays, européens et autres, mais qu'on arrête d'être soumis à Washington, à Berlin, à Bruxelles, stop quoi. Il faut qu'on soit un pays libre. Voilà.